Frères et sœurs, il n'y aura qu'une lecture biblique aujourd'hui qui se situe dans le livre de la Genèse au chapitre 48. Juste un mot d'explication pour ce choix qui ne vient pas au hasard, c'est que je travaille sur le cycle de Joseph depuis plusieurs mois déjà pour inviter à une lecture interculturelle des textes, des récits qui se trouvent dans ce cycle de Joseph, parce qu'il y a plein de thèmes anthropologiques et psychologiques et théologiques fondamentaux qui sont extrêmement riches pour des échanges entre des personnes de différentes cultures. Donc, j'ai beaucoup travaillé. Donc, ce matin, j'ai eu envie de partager avec vous un des derniers récits que j'ai travaillé. Et il s'agit donc de la bénédiction des fils de Joseph. Après ces événements, en question, c'est que toute la famille est descendue en Égypte. Après tous les stratagèmes de Joseph, il a réussi à faire venir également son père. Le pharaon leur a donné une terre. Donc après ces événements, on avertit Joseph que son père était malade. Il partit avec ses deux fils, Manassé et Éphraïm. Lorsqu'on annonça à Jacob que son fils Joseph venait lui rendre visite, il fit un effort et s'assit sur son lit. Il dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, au pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, « Je te donnerai de nombreux enfants pour faire de toi l'ancêtre d'un ensemble de peuples. J'accorderai ce pays à tes descendants en propriété définitive. » Jacob ajouta, « Tes deux fils nés en Égypte avant que je vienne t'y rejoindre, je les considère comme mes fils. » Éphraïm et Manassé sont miens, comme Ruben et Siméon. Mais les fils qui te naîtront après eux resteront les tiens. C'est dans le territoire de leurs frères aînés qu'ils recevront leur part d'héritage. À ce moment-là, Jacob aperçut les fils de Joseph et demanda, « Mais qui est-ce ? » Ce sont les fils que Dieu m'a donnés ici, en Égypte, répondit Joseph. Son père reprit, « Amène-les près de moi pour que je les bénisse. » Jacob était si vieux que sa vue avait beaucoup baissé. Il ne voyait plus grand-chose. Joseph fit approcher ses fils. Jacob les serra contre lui et les embrassa. Puis il dit à Joseph, « Je n'espérais plus revoir ton visage et voilà que Dieu me permet de voir même tes enfants. » Alors Joseph retira ses fils qui étaient sur les genoux de son père et il s'inclina jusqu'à terre. Ensuite, il prit ses deux fils par la main, Éphraïm, qu'il tenait à sa droite, se trouva à gauche de Jacob, et Manassé, qu'il tenait à sa gauche, se trouva à droite de Jacob. Il les fit de nouveau approcher de leur grand-père. Mais Jacob croisa ses mains. Il posa sa main droite sur la tête d'Éphraïm, bien qu'il fût le plus jeune, et sa main gauche sur la tête de Manassé qui était l'aîné. Et voici la bénédiction qu'il donna à Joseph. Je prie le Dieu devant qui mon grand-père Abraham et mon père Isaac ont toujours vécu, le Dieu qui a pris soin de moi depuis toujours, l'ange qui m'a délivré de tout mal, je lui demande de bénir ces garçons, que grâce à eux mon nom survive, comme ceux de mon grand-père Abraham et de mon père Isaac. Qu'ils aient de très nombreux descendants partout dans le pays. » Joseph fut choqué de voir son père poser la main droite sur la tête d'Éphraïm. Il lui saisit la main pour la déplacer de la tête d'Éphraïm sur celle de Manassé en disant, « Non, mon père, tu te trompes, c'est celui-ci l'aîné, mets donc ta main droite sur sa tête. » Mais son père refusa et lui dit, « Je sais, mon fils, je sais. Les descendants de Manassé aussi deviendront un grand peuple. Pourtant, son frère cadet sera plus grand que lui et ses descendants formeront une multitude de nations. » Ce jour-là, il leur donna sa bénédiction en ces termes. « Les Israélites se serviront de vos noms pour prononcer des bénédictions. Ils diront que Dieu te traite avec la bonté qu'il a montrée à Éphraïm et Manassé. » Ainsi, Jacob plaça Éphraïm avant Manassé. Il dit ensuite à Joseph, « Je vais bientôt mourir, mais Dieu sera avec vous et il vous ramènera dans le pays de vos ancêtres. Quant à moi,
je t'attribue une part plus importante qu'à tes frères, je te donne la région de Sichem que j'ai conquise sur les Amorites grâce à mon épée et à mon arc. » Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 190, les quatre strophes. Seigneur, ouvre notre esprit à l'intelligence de ta parole et que notre cœur demeure brûlant tandis que tu nous parles. Comme la pluie féconde la terre et fait germer la semence, que ta parole, Seigneur, accomplisse au cœur de nos vies sa mission, ta volonté, qu'elle féconde nos existences et leur permette de porter des fruits. Oui, que ta parole soit pour nous vérité de notre existence, lampe devant nos pas. Thank you.
Frères et sœurs, le choix de ce texte nous oblige ou nous permet de faire un petit retour à notre école biblique, parce qu'en général, c'est au moment de l'école biblique particulièrement qu'on se penche sur toutes ces histoires de la Genèse et sur cette magnifique et longue histoire de Joseph. Alors, un petit rappel néanmoins pour dépoussiérer nos mémoires. Vous vous souvenez que Joseph est ce fils bien-aimé de Jacob, vendu par ses frères, qui sont jaloux de lui, rien n'est nouveau sous le soleil, et qui, parvenu en Égypte, devient le ministre de Pharaon grâce à son charisme d'interprète des songes, mais grâce aussi à ses talents d'économiste, qui lui permirent de sauver l'Égypte de la famine, ainsi que les peuples alentours et sa propre famille venue de Canaan, car à ce moment-là, c'est bien toute la région qui est frappée par la sécheresse. Après de multiples rebondissements, toute la famille de Joseph finit donc par descendre en Égypte et s'y installer dans la région de Goshen, vers le delta du Nil, où il y a suffisamment de pâturage pour les troupeaux. Alors, une question va se poser. Les Hébreux vont-ils s'installer durablement en Égypte, où le pharaon de l'époque, qui sans doute apprécie beaucoup les services de Joseph, leur fait un accueil extrêmement favorable, ou bien n'est-ce qu'une résidence provisoire liée aux circonstances de la sécheresse et de la famine? Question cruciale. Joseph semble pencher pour la première solution. Joseph est devenu à moitié égyptien. Il a même reçu un nom égyptien. Il a épousé Osnath, fille d'un prêtre égyptien, dont il a eu deux fils, donc nés en Égypte. Cependant, il garde quand même pour une bonne part, son identité. Il a donné à ses deux fils deux noms hébraïques. Manassé, dont la racine signifie l'oubli, dans le sens de l'oubli des épreuves, et Éphraïm, dont la racine signifie le fruit, la fécondité, la fructification. Donc on peut imaginer que Joseph se réjouit, on pourrait très bien actualiser la scène d'ailleurs, hein. Joseph se réjouit d'avoir fait venir toute sa famille, de les avoir accueillis, d'avoir retrouvé son père et réuni tout le monde autour de lui dans son pays d'exil, qui est aussi le pays de sa réussite. De plus, Joseph a sa propre interprétation théologique. Il interprète tout cela comme un don de Dieu, puisque Dieu a transformé en bien le mal que ses frères ont voulu lui faire, afin qu'il puisse sauver un peuple nombreux. Donc Joseph, c'est un peu l'hébreu ou le juif diasporique. Cependant, Jacob, de son côté, semble penser différemment. Dès son arrivée, il a fait promettre à son fils Joseph que le moment venu, il l'enterrerait avec ses pères au pays de Canaan. On a donc deux visions qui sont différentes et qui peuvent même sembler contradictoires. Pour Joseph, on peut être hébreu en diaspora. Dieu n'abandonne aucun de ses enfants et il les soutient là où ils sont. Comme on l'a vu, il a même un plan de salut qui passe par l'exil. Pour Jacob, l'alliance qui s'est transmise depuis Abraham est liée à la promesse d'une terre qu'il est impossible d'oublier et d'abandonner. Et ce sont ces deux lignes-là, d'ailleurs, qu'on retrouvera dans la tradition juive, puisqu'on trouvera deux lignes messianiques, le Messie, alors on ne dira pas selon Jacob, mais selon Judas, qui reprendra la vision de Jacob, et le Messie selon Joseph. L'exil, la diaspora d'un côté, la terre d'Israël de l'autre. La question qui va se poser aussi, c'est, nous sommes dans un moment, vous avez vu, quand même intense et dramatique, puisque Jacob est malade et on voit qu'il approche de sa fin, que transmettre à ses enfants quand on sent la mort venir? Jacob sent ses forces l'abandonner et il lui importe maintenant de transmettre son héritage. L'héritage, bien sûr, ce n'est pas seulement une question
de biens matériels, même si c'est important dans les familles, mais aussi et surtout une affaire d'orientation spirituelle. Car la conscience d'être mortel, que nous fuyons d'ailleurs généreusement dans notre société, cette conscience d'être mortel est fragile, enfin que nous essayons de fuir, mais elle nous rattrape. La conscience d'être mortel, la conscience que le terme de la vie est proche, oblige et permet de se recentrer sur l'essentiel, sur le sens de l'existence et sur l'urgence de transmettre à qui de droit ce qui lui revient. Et c'est par des bénédictions que Jacob va transmettre ce qu'il pense devoir transmettre, d'abord à ses petits-fils, donc dans notre récit, puis ensuite à ses fils dans le chapitre suivant. Mais dans notre récit, nous voyons une chose quand même un peu étrange, c'est que Jacob s'approprie les fils de son fils Joseph. Il l'exprime clairement en les mettant au même niveau que ses fils aînés, Ruben et Siméon. Alors, pourquoi ? Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est injuste ? Est-ce une manière pour Jacob de réparer les effets de l'exil en instituant ses petits-fils comme héritier direct? Je pose la question, mais je n'ai pas de réponse. Est-ce une méfiance par rapport à Joseph, l'homme de la diaspora? Joseph serait-il devenu un peu trop étranger à son père, Jacob? Ceci nous pose aussi à tous les questions des structures de la parenté. Qui a autorité sur les enfants? Quels sont le rôle et la place des grands-parents, mais aussi des oncles et tantes? Dans les familles africaines, par exemple, les oncles et tantes ont énormément d'importance. Comment se joue la transmission entre les générations? À l'heure d'ailleurs d'aujourd'hui, où souvent 4 générations vivent en même temps, et même parfois 5. Comment nous-mêmes vivons-nous ces questions? Comment les parents considèrent-ils l'intervention de leurs propres parents dans l'éducation de leurs enfants? S'agit-il pour les grands-parents d'un droit, d'un devoir ou bien d'une ingérence insupportable? Les réponses à ces questions seront certainement différentes selon les époques, selon les sociétés, selon la manière dont on considère la famille. De plus, nous voyons encore quelque chose qui retient notre attention, et d'ailleurs qui a retenu celle de Joseph, bien sûr, c'est que Jacob va inverser les bénédictions entre Éphraïm et Manassé sous l'œil mécontent de Joseph. Il devrait bénir donc de la main droite l'aîné de ses petits-fils, Manassé, de sa main gauche Éphraïm, qui est le cadet, et il fait l'inverse. Ceci, bien sûr, semble reproduire une situation déjà vécue, quoique de manière différente. Nous nous souvenons tous de Jacob, qui avait obtenu la bénédiction de l'aîné au détriment de son frère Ésaü, en profitant de la mauvaise vue de son père Isaac. Jacob lui-même, d'ailleurs, il est dit dans notre texte, à la vue basse. Néanmoins, il sait et revendique ce qu'il fait, et c'est ce qu'il rétorque à Joseph mécontent, « Éphraïm sera plus grand que Manassé ». Voilà, on a en germe là, encore une histoire de conflit, de rivalité et de haine fraternelle. Alors, si on se réfère à l'étymologie de leur nom, on peut se dire que peut-être que Manassé, qui a quelque chose à voir avec l'oubli, est forcément plus tourné vers le passé, tandis qu'Éphraïm, le fruit, la fécondité, est tourné vers l'avenir. Mais n'est-il pas nécessaire d'oublier la souffrance et les épreuves pour pouvoir avancer et fructifier? D'une certaine manière, il ne saurait y avoir d'Éphraïm sans Manassé. Chacun joue son rôle. En tout cas, ces tribus d'Éphraïm et Manassé formeront, avec 8 autres tribus, le royaume du Nord, Israël, tandis que le royaume du Sud sera composé des tribus de Juda et de Benjamin. On se retrouve donc toujours avec cette même réalité biblique à laquelle nous tenons, que la vocation personnelle donnée par Dieu ne respecte pas forcément les lois naturelles ou coutumières. Et c'est vrai que très souvent, le second a un rôle
prépondérant par rapport à l'aîné. On le verra encore d'ailleurs au chapitre suivant, puisque Joseph, Jacob, quand il bénira ses fils, annoncera que Judas portera le sceptre royal, que Joseph sera le chef de ses frères, et non Ruben, qui est pourtant l'aîné de tous les enfants de Jacob. La question qui se pose alors, depuis Caïn et Abel, c'est bien celle de la rivalité. C'est quand même la grande question, c'est l'un des problèmes fondamentaux de l'anthropologie, de la psychologie et de la politique en général. La question de la rivalité, la question de la jalousie. Comment organiser les relations humaines et sociales pour que la rivalité et la jalousie n'exercent pas leur pouvoir destructeur? C'est terrible, frères et sœurs, mais on en revient toujours là. La réponse de Jacob, c'est, au-delà de la distinction qu'il fait entre les deux, de les associer dans la bénédiction. Je prie le Dieu devant qui mon grand-père Abraham et mon père Isaac ont toujours vécu, le Dieu qui a pris soin de moi depuis toujours, l'ange qui m'a délivré de tout mal, je lui demande de bénir ces garçons, que grâce à eux, mon nom survive comme ceux de mon grand-père Abraham et de mon père Isaac. Autrement dit, Jacob associe Éphraïm et Manassé au regard du passé, au regard de la vocation et de la bénédiction d'Abraham et d'Isaac, dont ils sont héritiers. En tant qu'héritiers, ils sont unis, mais également au regard de l'avenir, puisque ensemble, ils seront eux-mêmes signes de bénédiction. Les Israélites se serviront de vos noms pour prononcer des bénédictions. Ils diront « Que Dieu te traite avec la bonté qu'il a montrée à Éphraïm et Manassé. » Éphraïm et Manassé sont héritiers de la bénédiction d'Abraham. Éphraïm et Manassé ensemble sont responsables de la bénédiction pour les générations à venir. Ça veut dire que, à travers les bénédictions qu'il exprime, Jacob est en train de fonder l'unité et l'avenir d'un peuple. Ce qu'il nous dit donc, c'est que nous ne pouvons et nous ne pourrons sortir de nos histoires de rivalité qu'en nous plaçant ensemble sous la bénédiction de Dieu et qu'en nous situant ensemble, de manière collégiale, de manière communautaire, de manière collective, dans l'héritage de ceux qui nous ont précédés et dans la responsabilité vis-à-vis de ceux qui nous suivent. Ensemble, avec nos différences, mais ensemble, les uns pour les autres, comme Manassé est pour Éphraïm et Éphraïm est pour Manassé. Seule cette unité permet de briser le pouvoir mortifère des rivalités et de la jalousie. Autrement, on arrive vite dans le chacun pour soi. C'est la victoire de toutes les passions d'amour propre qui l'emportent. Et on sait que quand ça commence, quand ça se réveille, la passion d'amour propre, ça se met à galoper. Quelle responsabilité, alors, confier à nos enfants et à ceux qui nous suivent? Tous, nous désirons transmettre le meilleur à nos descendants. Pour Jacob, le meilleur, c'est l'alliance. Et cette alliance est liée à une terre, à la terre d'Israël. C'est donc cela qu'il veut transmettre. Alors qu'il se sent proche de la mort, et que cette mort aura lieu en Égypte, Jacob réaffirme l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham et sa postérité, et qui concerne non seulement la constitution d'un peuple, mais aussi le lieu d'existence de ce peuple. Et il dit, « Voici, je vais mourir, Dieu sera avec vous et il vous ramènera au pays de vos pères. » Par conséquent, non seulement Jacob va demander que son corps soit ramené dans le tombeau de ses pères à Mamré, mais il va annoncer que ses descendants retourneront dans ce pays des pères. Le pays des pères n'est donc pas seulement une terre de passage, un lieu du passé, un lieu de la mort, mais aussi un lieu pour l'avenir et pour la vie. Et c'est Dieu qui va faire cela. Alors, à partir du moment où Jacob inscrit ce retour
comme une espérance, et on sait l'écho que donnera à cette espérance toute la littérature prophétique dans la Bible, il signifie aussi qu'il est impossible, ou difficile en tout cas, de s'installer durablement en exil, en Égypte. Et pourtant, on l'a dit, il semble que Joseph, tout en restant lui-même, ait pensé différemment. Du moins jusqu'au moment où il demandera lui aussi que ses ossements soient transportés en Canaan. Cette problématique est extrêmement intéressante, frères et sœurs, car elle nous concerne tous aujourd'hui. Notamment tous nos frères et sœurs qui vivent dans notre pays en venant d'un autre pays. Quand nous vivons donc dans un pays, d'un autre pays que celui de notre naissance et de nos pères. Quelle responsabilité alors confions-nous à nos enfants? Est-ce que c'est de rester là où nous vivons? Est-ce que c'est de rester ici aujourd'hui en France, de planter de nouvelles racines et d'y trouver le sens spirituel, existentiel, social d'une nouvelle existence? Ou est-ce que c'est de préparer un retour au pays? Et pour quelle raison? Et pour quelle mission? Ce peut être seulement par nostalgie ou pour apaiser les douleurs d'un exil qui a été mal vécu, car un tel retour, en ce cas-là, est se réorienter vers le passé, vers la mort. Or, le retour au pays ne pourra être fructueux que s'il se fonde sur une vocation et une mission pour la vie. Vocation et mission donneront la force de vivre un retour qui jamais n'est facile, car il y a toujours une mer rouge et un désert à traverser. Il y a quelque temps, nous avons reçu au DEFAP, en accord avec la Fédération protestante de France, quelques Kanaks, une délégation des églises de Nouvelle-Calédonie. J'ai eu l'occasion justement de m'entretenir sur ce sujet avec nos frères et sœurs Kanaks, qui étaient là, donc des adultes, des responsables d'église, par rapport aux jeunes Kanaks qui viennent faire leurs études en France après le bac. Il y a un service qui s'appelle ABS, après bac service, et où ils passent plusieurs années en France, et certains font des études extrêmement brillantes, et en général ils ont tous toujours le projet de retourner au pays, en Nouvelle-Calédonie. C'est la France, hein, en Nouvelle-Calédonie. Et nous avons évoqué les difficultés, justement, souvent, de ce retour, où on leur fait remarquer qu'ils sont devenus français, entre guillemets, qu'ils sont devenus métropolitains, qu'ils n'ont plus grand-chose à voir avec la terre des ancêtres, qu'ils sont en décalage. Et très souvent, c'est très difficile, finalement, pour eux de se réinsérer, alors que, justement, ils sont porteurs d'une mission, d'une vocation pour leur terre. Et donc, il leur faut beaucoup de courage et de ténacité pour tenir. C'est un exemple, mais on pourrait évoquer beaucoup d'autres exemples. Nous pouvons également interpréter de manière symbolique cette question de retour ou de non-retour que nous posons à nos enfants et à nos descendants. La terre de Jacob-Israël peut être comprise autrement que dans un sens géographique. Ce sont peut-être nos idéaux anciens, nos espérances d'autrefois, ou encore les traditions que nous avons reçues de ceux qui nous ont précédés, quelquefois les métiers, les savoir-faire, les modes de vie. En tout cas, un monde que peut-être nous avons dû plus ou moins quitter, quelquefois par la force, quelquefois par choix, par esprit d'aventure. Certains d'entre nous, comme Joseph, s'adapteront très bien au nouveau contexte, aux nouveaux défis. Ils inscriront leurs enfants dans cette dynamique d'adaptation. Peut-être que d'autres, comme Jacob, seront plus soucieux de transmission d'un héritage et peut-être compteront-ils sur leurs descendants pour en reprendre la responsabilité. On peut penser par exemple aux familles pastorales, hein, la manière dont se transmet ou non la vocation au ministère pastoral. Mais ce qui reste essentiel, c'est que quelle que soit la sensibilité ou l'orientation de chacun, plus vers Jacob ou plus vers Joseph, tous portent la même bénédiction. Tous nous portons la même bénédiction, celle qui vient d'Abraham, celle qui devra être transmise aux générations futures.
Tous forment un peuple, un peuple. Dieu bénit Jacob, Dieu bénit Joseph, Dieu bénit Éphraïm et Manassé. Ce que nous apprenons de fondamental dans notre récit et dans toute l'histoire de Joseph, c'est que Dieu ne nous abandonne jamais, quel que soit le lieu où nous résidons, ici ou ailleurs, sur la terre promise, ou en diaspora, ou en exil. Il nous invite simplement à vivre de sa vie à lui, à faire rayonner sa présence et son amour au milieu de ceux avec lesquels nous demeurons. Car en tout temps et en tout lieu, et ça c'est aussi la grande, grande leçon de Joseph, il est celui qui transforme en bien le mal dont nous souffrons ou dont nous avons souffert. Amen.